Bonjour, bonjour. Today we're going to talk about mental illness. On va parler de la santé mentale. Quand vous commencez votre lavage, vous commencez vos prières, c'est comme si vous avez tiré une fronde. Et si vous ne maintenez pas jusqu'à ce que ça se coupe, vous allez laisser la fronde là-bas rentrer sur vous, ça va faire très mal. Donc je vais vous donner aujourd'hui un processus par lequel vous pouvez sortir des pensées négatives. Là où vous expliquez pourquoi ça vient. Le royaume des ténèbres n'est pas content quand vous vous rendez compte de ce qui se passe. Le royaume des ténèbres n'est pas content quand vous commencez à les combattre. Donc tu te lèves, tu fais tes prières, tu fais ton jeûne, tu es là clair dans tes trucs, ok, voilà ce que je veux, tu as ta délivrance. J'ai une dame l'autre jour, on a fait le jeûne, on a fini pour notre jeûne le premier. Elle a fini son jeûne, elle a commencé son jeûne le premier. Parce que le premier qu'elle a vu ma vidéo pour le jeûne. Elle a pris son jeûne le premier, 1, 2, 3. Donc elle a fini le 4 au matin. Le 5, donc elle paye sa dîme. Ça c'était il y a cela 3 jours, 2 ou 3 jours. Elle paye sa dîme. Et elle dit que quand elle était, depuis qu'elle était... qu'elle a accouché, son enfant a 4 ans aujourd'hui. Quand on a ouvert, on a refermé, on a retiré l'enfant, on a refermé son ventre. Elle a toujours la sensation qu'il y avait un serpent dans son ventre. Donc, là voilà, donc pendant qu'elle jeûnait, elle a pris la poudre de désenvoûtement. Je vous avais parlé de la poudre qui enlève, si vous avez les choses dans le ventre, si on a mis les trucs dans votre ventre, ça sort. Tu te bois ça 2 jours, tu te puges avec ça le 3e jour. Après, tu bois encore 2 jours, tu te puges le 3e jour. Donc, elle a utilisé ces poudres-là pendant... Et 3 jours de jeûne. Donc le 5 ans, elle paye sa dîme. 4h50. Elle dit qu'elle est aux toilettes. Elle voit comment... Elle commence à tousser. Elle tousse. Elle se tourne. Elle rate à la gauche. Elle voit l'asticot. Donc l'asticot est sortie de sa gauche. Elle a seulement dit que voilà ma délivrance. Voilà ma délivrance. Maintenant, une autre personne va se dire, bon, tu as été délivré, c'est bon, tu as été délivré. Écoute, c'est quand tu es délivré là qu'ils vont encore venir pour voir, pour tester le terrain. Pour tester le terrain. Donc, écoutez très bien les instructions que je vais vous donner. Peu importe l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Même si vous écoutez ceci le soir, sachez que vous allez être testé. Une autre, donc, elle m'envoie un message dégueulasse. Elle a filmé la glaire qui est sortie de sa gauche. Elle a filmé ça, elle m'a envoyé. Elle aussi, elle était à son 3e jour. Elle dit que ça fait 3 jours sans manger, sans boire. Le dernier jour, puisqu'elle n'a pas bu d'eau, elle vomit. Et il y a une glaire, parce que l'une des formes sous lesquelles il vous attaque, il met de la glaire dans votre... Donc d'ici comme ça là jusqu'en bas, jusqu'à l'estomac, ça va se manifester comment? Tu auras beaucoup de problèmes d'estomac, problèmes gastriques. Tu manges quelque chose, ça te chauffe. Tu manges quelque chose, ça te brûle l'estomac. Tu restes, tu dois prendre les gaviscons tout le temps. Et ils mettent aussi sur toi l'anxiété constante. Tu es permanemment anxieux, tu ne sais pas pourquoi. Tu restes comme ça là, tu ne sais pas ce qu'il y a, mais tu sens la peur sur toi. Voilà leur manifestation. Bonjour Monique, bonjour Monique, bonjour Marie, bonjour Draxler. Je suis toujours en voyage, vraiment, tous les 7 jours je souhaite voyager. Donc mon dernier voyage s'est bien passé. Ils vont mettre sur toi une peur. Tu restes dans ça, tu ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur, mais pourquoi? Tout va bien, je suis en santé, mes enfants sont en santé, mon mari va bien, ma maison va bien.
Ils vont venir mettre la peur dans ta tête. Et si ça ne se passe pas bien? Et si ça ne se passe pas bien? Et si tu restes comme cela? Mais quoi, quoi? Qu'est-ce qui ne se passe pas bien? Quoi? Tout va bien. Mais le truc, c'est que le plan de l'ennemi, en fait, il a une façon de t'envoyer ces choses-là. C'est comme si c'était toi qui pensais ça. Bonjour la reine, reine Marie, la reine du ciel. C'est comme si c'était donc... C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec toi. Il dit, mais c'est moi ou bien? Et si tu t'amuses, même il va te mettre les pensées contre toi. Regarde, tout ce que tu fais ne marche pas. Regarde. Regarde, non. You're not enough. En anglais, you're not enough, ça veut dire quoi? Tu n'es pas assez. Est-ce que le genre d'homme peut s'intéresser à toi? Regarde le genre de bel homme qui est venu jusqu'à tu t'es épousé. Tu crois que c'est... Là, il te trompe. Il peut t'aimer toi, là. Regarde comment tu es. C'est comme ça, ça commence dans ta tête. Ça commence dans ta tête. La santé mentale, c'est quelque chose dont on ne parle pas en Afrique, malheureusement. Chez les Blancs, ils ont dit, ok, tu ne vas pas bien. Like, you know, I'm not good. Let me just go and see a psychiatrist. Or, you know, psychologue. Somebody like that. Mais en Afrique, quand tu ne vas pas bien mentalement, si tu oses même parler de ça à quelqu'un, hey, maman, Vivian, ne venez pas me poser les questions qui n'ont pas de sens ici. Venez même pas. Ce qui veut, ne me tente même pas. On va souffler la cannelle à la maison à quelle heure? Vous avez souvent des questions que je ne veux même pas. Excuse ma vie. Excuse ma vie. Excuse ma vie. Faites travailler votre sens. La santé mentale, c'est quelque chose dont on ne parle pas en Afrique. Et comme on n'en parle pas, beaucoup de personnes doivent vivre cela seules. Tu dois pouvoir détecter quand ça ne va pas. Tu dois pouvoir rester comme ça, là, tu te dis... Ça fait 2 jours que je ne suis pas sortie. Ça fait 2 jours que je sens... Et vous pouvez détecter, tu peux sentir quand ta puissance est affectée. Parce que cette affaire de santé mentale, là... Bonjour le pasteur Aline. Ça attaque n'importe qui. Ils appellent ça en anglais « Dark Night of the Soul ».« Dark Night of the Soul », c'est-à-dire ton âme traverse une période noire. Et je crois que dans le psaume 23, quand David a dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort », ça veut dire qu'il sait que dans ton cheminement, il y a un moment où tu vas traverser une période que... Ce n'est même pas parce que c'est quelqu'un qui est venu déposer sur toi. C'est dans toi-même. C'est dans toi-même. Le tout, c'est que pendant cette période-là, que tu ne passes pas en mode destruction. Le mode destruction, c'est quoi? J'ai même cru que j'étais qui? Regardez-moi, une fille comme moi, là. Regardez-moi. Regarde tes cheveux. Regarde. J'ai acheté les habits tous les jours. Regarde, ta voisine a acheté la voiture, non? Tu étais au mariage de ta cousine l'autre jour, non? Ta cousine a couché, non? Regarde-toi, tu as 38 ans. Oui, tu n'as pas d'enfant. Tu as 52 ans. Rien, tu n'as rien, aucune maison, rien. Donc voilà. C'est comme ça que c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Tu es sur le lit, tu te tournes. Tu te tournes. Tu sais ce que tu dois faire d'abord? Je vous parle du lavage au sel tous les jours, non? S'il le faut, lave-toi 5 fois par jour avec le sel. Écoutez, s'il le faut, ceux qui ont le parfum, donne-moi tout. Tu prends le donne-moi tout, tu mets même 10 gouttes dedans, dans l'eau avec le sel. Ceux qui ont le parfum, débloque-moi. Tu mets aussi ça dans l'eau. Et quand tu traverses ces pensées-là, c'est très difficile pour toi d'ouvrir la bouche pour prier. C'est comme si on t'a attaché. Donc, même si c'est seulement en action, en versant l'eau sur toi, tu veux que je me débarrasse. Parce que quand tu subis ces attaques, il est très probable que tu te sois approché ou bien dans ton environnement, ou bien tu as reçu chez toi quelqu'un qui a une énergie très négative. Ou encore tu es parti dans un milieu, peut-être tu es parti dans des milieux publics très affluents. Et tu as été en contact avec quelqu'un qui a une très mauvaise énergie. Soit encore tu as regardé quelque chose sur Facebook qui était très négatif. Soit encore ce sont les démons de tes grands-parents là. Tu vois, ces démons là, non. Tu as touché ça, tu n'as pas bien. Tu ne t'es pas bien débarrassé d'eux. Je vous ai dit qu'il y a des gens que certains parmi vous, vous devez faire le kit fondation même pendant 3 mois.
Ce mois-ci, tu achètes, tu fais. Le mois prochain, tu achètes, tu fais. Le mois prochain, tu achètes, tu fais. Il y a certains démons que quand tu les touches, si tu ne finis pas avec eux, la Bible dit, si tu ne finis pas avec eux et tu remplaces par quelque chose, il va sortir, aller chercher sept, ils vont revenir. Et la Bible dit que l'état de ce dernier est encore plus pire qu'avant. La bataille spirituelle, ce n'est pas la blague. Quand ma part me prend, je peux passer 2 jours, je suis couché. Je suis couché, vous allez faire rien. Tu tournes comme ça là. Tu tournes. Et plus grande ta mission est. Plus grande ta mission est, pardon. Plus d'attaques tu auras. Et quand certains adopteront ça là, tu veux seulement couper tes cheveux. Donc tu ne veux même pas que quelque chose te touche. Tu ne veux même pas. Tu te lèves maintenant, tes cheveux sont comme si tu étais Sangoku. Tu as vu Sangoku la nuit. Tu ne veux rien faire. Tu veux seulement rester à la maison, tu regardes Facebook. Tu vas regarder les séries sur Facebook. Oh, tu vas regarder, tu te couches, tu dors. Après, tu regardes, tu te couches, tu dors. Tu pars, tu cherches quelque chose, tu manges, tu viens, tu te couches encore. Tu regardes, tu couches, tu dors. Parce que quand les gens vous voient triompher, on voit que tu fais les grandes choses. On ne sait pas que tu traverses aussi les périodes où si la personne te voit comme ça, là, il aura pitié de toi. Et plus grande ta mission est, ou grande, excusez mon français, plus grand ce que tu as fait est, plus tu auras d'attaques. Il y a les jours où tu vas te lever, tu vas même vouloir gâter ton mariage toi-même. Tu vas même vouloir, tu vas dire à ton mari que laisse pas, sors de pas. Bah, laisse-moi. Tu vas vouloir garder ta propre. Donc, ce que tu as construit là, toi-même, tu vas te lever et dire que c'est fini. Donc, la deuxième règle, quand tu es dans cette période-là, ne prends aucune décision pendant que tu es dans ta zone d'ombre. Parce que tout ce que tu vas décider dans le moment-là, ce sera pour te détruire. Ce sera les choses que toi-même, là, quand tu as souffert pour construire. C'est comme si c'est un cyclone qui arrive. Tu vas seulement tout gâter. Et comme les gens, les choisis, ont toujours des trucs de puissance, vous êtes très puissant. Parce que vous ne vous connaissez pas encore. Vous ne connaissez même pas encore le dixième de votre pouvoir. Vous êtes des puissances très puissantes. Ce qui fait que quand ça commence, même les paroles que tu dis pendant ce temps-là, ça peut détruire, ça peut déstabiliser tes choses que tu as construites. Donc quand ça te prend, si tu connais déjà, cherche beaucoup de celles que tu mets dans ta chambre. Tu cherches le parfum, tu déposes là-bas. Tu cherches, tu déposes tout. Tu prends le tu mets bien internet sur ton téléphone. Tu sais que tu vas écouter mes vidéos pendant la période là. Tu mets même, tu laisses ça jouer pendant que tu es en train de dormir. Tu te couches sur le lit comme ça là. Tu laisses ça jouer seulement, ça joue. À un moment, une parole va sortir comme ça là. Ça va t'électrocuter, tu vas te lever du lit. Donc ne pas prendre de décision pendant que tu traverses cette période. Ne pas parler, ne parle pas. Parce que la période là, tu vas te rencontrer quelqu'un qui est faible d'esprit. Parce que vous devez comprendre comment la fesse fonctionne. L'ennemi t'attend au carrefour. Il attend que tu viennes, tu commences à faire un peu. Il dit, dis ceci. Dis que ça ne va pas marcher. Dis. Tu dis que de toutes les façons, ça ne va pas marcher. Tu vas d'abord épouser, pourquoi? Regarde une femme comme moi, tu cherches mon corps derrière moi. Je ne vais jamais te donner d'enfant. Ah, pardon. Tu parles. L'ennemi est en train de détruire ce que tu as pris 3 semaines. Tu as fait 4 jours de jeûne. Tu as fait les sessions. Tu t'es lavé avec le pipi même pendant 7 jours. Mais sachez aussi que si tu traverses la zone là, tu traverses les turbulences là. Donc quand moi je suis dans les turbulences, je connais que je suis en train d'arriver. Je suis au bout du tunnel. Je suis au bout du tunnel. C'est un peu comme les contractions avant l'accouchement. Je suis au bout du tunnel. Donc ça me prend n'importe comment. Je suis au bout du tunnel. L'enfant va bientôt sortir. Et puis tu te lèves le matin, un matin comme ça. 5 clients t'appellent. 15 millions tombent le matin. Pam. Donc tu vois,
en l'espace de 2 heures de temps. Les choses que tu avais fait depuis, tu priais que tout ça se passe en 2 heures de temps. Et quand ça se passe, c'est comme Job. Job. Quand Job, les choses de Job ont commencé à tomber. Job reste comme ça, on vient dire que tes enfants sont morts. Oh, le cyclone est venu, ça a ravagé. Oh, tout ça s'est tombé. Donc, en une journée, il est venu, il a perdu tout. Le voilà qui traverse maintenant sa période de noirceur là. Il tourne, ça tourne. Sa femme dit que parle, maudit Dieu, tu quittes ça. Il dit jamais. Maudit Dieu, parce que l'ennemi ne peut pas travailler sans votre bouche. Que dit même que les choses que la reine Jocelyne vous dit tous les jours, que ce n'est même rien. Bloque la même. Quitte même sur sa page. Ne vous dérangez pas. Hein. Vous aurez les périodes où on vous dit quitter sur ma page. Ne vous dérangez pas, vous serez testé. Je les connais. Nous nous connons. On m'a dit que tout ce qu'elle enseigne là, c'est même rien. Pardon. Regarde, regarde. Tu as fait des gars, ça a empiré, non? On a volé ton argent, non? On a volé ton argent, non? Tu as fait, tu as commencé, regarde ton mari, tu commences le lavage, avant il tombe même à côté de toi, même comme il ne te touchait pas. Maintenant, le voilà qui ne rentre même plus à la maison. Le voilà qui ne rentre même plus, ça s'est empiré. Regarde tes enfants. La tétuité, ça s'est aggravé seulement en une semaine. What does it take to put a giant down? Qu'est-ce qu'il faut pour mettre un géant à terre? Il y a un géant dans votre vie. Il y a un géant dans votre vie qui a dit que vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas accoucher, vous n'allez pas être riche. Et vous avez eu l'audacité, comme David, de venir dire, tu es qui pour oser la fille de l'Éternel? Donc, prépare-toi. Il va se tourner, il va te regarder. Tu es qui toi? Et il regarde les autres, mais la fille c'est qui? Tu es là avec le pipi sur toi dans la nuit, à 3 heures. Je suis la fille de l'Éternel. Souvent, quand vous vous voyez un téléphone, travail spirituel. C'est comme si vous êtes même ridicule. Si quelqu'un te voit, il va dire que te voilà avec le bâton, tu es nu dans ta douche, tu as ton pipi sur toi. C'est le Seigneur qui donne la force. Écoutez, c'est le Seigneur. Tu parles, plus tu parles, plus il devient petit. Plus tu parles, plus il devient petit. Tu sèmes ta dîme encore et encore et encore et encore, encore et encore. Tu sèmes la dîme et encore. Plus tu sèmes, plus il devient petit. Plus tu fais ton travail, il devient petit. Après un jour, il commence à parler comme la poupée. Et cette fois-là, il te regarde, tu es en haut, lui, il est en bas. Mais pourquoi il me dérange comme ça? Oui. Le travail spirituel, hein? C'est pas la blague. Ils n'ont des blagues. Toutes les reines, là, vous êtes dans le direct, si. La reine Claudine Olivia, la reine Marie-Blanche, la reine Ophéta. Vous êtes là. Je crois que vous savez très bien de quoi je parle. Même la reine Rolande. Aïe. Tu es en train de détrôner un truc que ta fille ne va plus jamais voir ça. Ta petite fille ne va pas voir. Donc, sur 25 générations à venir après toi, ils ne vont plus jamais voir ce genre de démon. Que ta mère avait subi ça, ta grand-mère avait subi, ton arrière-grand-mère avait subi. Elles ont fini toutes seules. Ou bien pauvres. Les soucis les ont tués. Toi, tu te lèves, tu dis moi, tu prends ton bâton, tu dis moi, je suis la fille de l'Éternel, ouais. Vous devez être très forte. Il n'a pas dit que ce serait facile, mais il a dit que tu aurais la victoire. Dieu n'a pas dit, lève-toi, tu pars là-bas, tu fais ça, on va te donner, ouais, ça va. Tu vas marcher avec les talons. Non. Il y a certains endroits où tu vas seulement courir. Tu vas lever tes chaussures, tu vas courir sur les cailloux. Mais tu avances seulement.
Bonjour la reine Adeline. Bonjour la reine Nubisi. Tu persévères. Avant, quand ça se passait comme ça, ta bouche, tu ouvrais ta bouche, tu insultais tes choses, tu descendais tes choses. Mais le tout, c'est, tu es calme. On te dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais, regarde, ça ne, tu ne dis rien. Mais la reine, tu ne dis rien. Tu te tournes, tu vas te coucher. C'est comment, regarde. Ça n'avance pas, le travail n'avance pas. Les clients ne viennent plus. Ça fait une semaine, on n'a pas vendu. On t'appelle, on te fait le rapport de la journée. Et depuis là, les clients viennent, ils regardent seulement, ils partent. Les clients viennent, ils regardent seulement, ils partent. Ta vendeuse commence à dire que ça ne va pas. Non, tu dis que ferme ta bouche. Ne reste pas dans mon magasin. Tu ouvres ta bouche pour maudire mes choses. Tu dis, ça va aller. Tu te tournes, tu pars. Elle s'attend à ce que tu te tournes, tu pars. Tu connais les bagarres que tu as tapées la nuit. Tu connais les bagarres. Tu lances encore un autre jeûne. Même dans le sommeil, tu es en train de prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux aussi vous ajouter que quand vous êtes dans la bagarre spirituelle, vous n'êtes pas seul. Just hold on a little bit more. Accroche-toi encore un peu. Just a little bit. Accroche-toi. Tu as tes ancêtres. Tu as tes anges. Tu as tes guides. Tu as la Vierge Marie. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Jésus. Tu as toute la légion des anges. Larissa, tu dis vraiment le goût de l'obéissance a payé sa dîme. Ma reine, ça fait 3 jours, j'ai des retours positifs graves. Ton grenier est fertile. Moi, je vous ai toujours dit que s'il y a une chose que je connais Dieu qui m'a envoyé. Dieu ne m'a pas envoyé pour vous rendre pauvre. Ni pour être pauvre moi-même. Et pendant cette période-là, surtout, rappelle-toi qui est en train de se battre avec toi. Et la dîme aussi, c'est quelque chose qui influence beaucoup. Il y a les périodes où, analysez bien, quand vous êtes dans les combats, financiers surtout, tu vas voir qu'à la période-là, tu as eu de la peine à payer ta dîme. Parfois, tu envoies même ta dîme, ça se bloque en l'air. J'ai une comme ça la semaine passée. Elle envoie 1000 euros de dîme, quoi là. C'est calé dans les airs. Elle appelle, où c'est Western Union, c'est quoi là où? Ils disent que c'est en l'air, vraiment. Que c'est en l'air. L'agent l'a fait 10 jours avant d'être débloqué. Le 9e jour, elle a dit que je vais encore payer l'autre. Elle envoie encore l'autre 1000 euros. Elle dit que mon agent doit toucher ta main. Parce que le genre de challenge que je vois, c'est là. Je sens qu'il y a quelque chose. Vous allez... Parfois, tu es même dans une période où tu vas ouvrir un magasin, une succursale quelque part. Tu as un nouveau business que tu vas ouvrir. C'est les adversités que tu veux voir. Mamma mia. Quoi? Tu achètes la marchandise arrivée en route. Ça prend l'avion. C'était dans l'avion. Dans l'avion, ça prend l'avion. Tu paies telle chose. Ton employé même qui devait venir travailler, il dit qu'il ne veut même plus, que sa grand-mère est morte au village, il faut que c'est lui qui devient successeur, il part. Tu restes comme ça là, tu te retrouves seul. Rappelle-toi premièrement de la sensation que tu as ressentie quand tu voulais ouvrir. Quand tu as dit que tu devais voyager ou tu devais, je ne sais pas. Parce que quand Dieu te donne une vision, ça vient avec une énergie, ça vient avec une force. Tu vois comment l'endroit est bien, les gens sont en train d'entrer, les gens achètent des choses, ça va bien. Ouais. Écoutez, s'il le faut, enregistre même ça sur une vidéo, bien sûr. Parce que quand tu vas vouloir mettre la chose sur pied, il y a les démons, les entités territoriales.
que quand ils savent qu'il y a quelque chose de bien qui est en train de venir dans notre ville, dans notre rue. Écoutez, votre lumière là, quand vous êtes arrivé, ils ont vu. Quand tu as atterri là-bas dans la ville là, ils t'ont vu. Tu ne savais pas, mais ils t'ont vu. Monique, ne te dérange pas, hein? Tu es passé par là. Chaque nouveau niveau a ses démons. Peut-être ton chiffre d'affaires actuellement, c'est 15 millions le mois. Quand tu vas vouloir monter à 55 millions, 70 millions le mois, tu vas voir, c'est comme si tous les démons sont sortis sur toi. Maintenant, l'autre chose que vous devez faire, c'est les affirmations. I'm beautiful, I'm strong, I'm powerful, beautiful, I'm strong. Everything I touch turns into gold. I'm beautiful, I'm strong, I'm powerful. Money comes to me. Tu dois avoir les affirmations. Je suis belle, je suis puissante. L'argent vient à moi sans effort. Mes clients viennent et ils me payent sans que je sans discuter. Je déclare que mes produits sont des produits haut de gamme qui sont achetés par dans tout le monde entier. Je déclare que je suis... Donc, tu dois te dire ces choses. Parce que certains d'entre vous, vous êtes dans un environnement où personne ne vous encourage. Il n'y a que vous. S'il le faut, toute la nuit ne dors pas parce que tu es en train de te reprogrammer l'esprit. Je suis belle, je suis puissante. On ne peut rien me refuser. Quand je mets ma main quelque part, ça marche. Tout pied que je touche, toute terre que je touche de mes pieds, je prends cette terre en possession. Oh, tout ce que je fais marche. Je suis béni. Personne ne peut me maudire. On ne peut pas me maudire. Nombre 23, verset 23. On ne peut pas me maudire. Aucune incantation ne peut marcher contre moi. Aucun sortilège ne peut marcher contre moi. Je déclare que je prends cette terre en possession. Josué 1, verset 3, 4, 5, 6 et 7. Je me fortifie dans l'Éternel. Suivez. Voilà l'autre chose que vous devez faire. Pas que vous pouvez, vous devez. S'il le faut, tu imprimes même sur le papier. Tu mets ça, tu colles ça partout dans ta maison. Si l'ennemi peut venir te déposer les pensées quand tu es en train de dormir, tu dors, tu fais un cauchemar, tu vois comment on est en train de te poursuivre, on te prend ton argent, s'il peut faire l'autre là, tu te lèves toi-même, tu te reprogrammes. L'argent vient à moi. I am a money magnet. Je suis l'aimant de l'argent. Je suis l'aimant des billets, même comme les billets n'ont pas le fait sur ça. Je suis l'aimant des billets. On me poursuit, peu importe dans le fin fond de là où je suis. On me poursuit là-bas pour me donner l'argent. Mes vidéos sont vues par des milliers de personnes. Et ces personnes m'appellent, ils achètent mes produits. Mes clients sont dans la file d'attente pour que je les reçoive. Mes clients viennent à moi. Allez, répétez, mes clients viennent à moi. Mon business prospère aujourd'hui. Allez, pour répéter, tout business qui porte mon nom, qui porte ma touche particulière, prospère aujourd'hui. À travers les quatre coins du monde, les gens me voient, ils viennent à moi. Je suis intelligente, je suis puissante. On ne peut pas me maudire. Répétez votre nom, je suis la reine Jocelyne. Répétez votre nom, allez. Répétez votre nom. Je suis la reine Jocelyne. Je suis la reine des reines. Personne ne peut me mettre à terre. Je tire ma puissance des profondeurs de la terre. Aujourd'hui, j'ai la puissance. Je domine sur toute personne qui vient pour m'atteindre. Je mets à terre tous les démons, tous les petits, petits démons là. Je commande que vous soyez mis à terre aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'élève dans le ciel. Aujourd'hui, je prie. Tout business qui porte mon nom, toute personne qui travaille pour moi, travaille avec excellence. Aujourd'hui, mes clients viennent. Tout client qui parle avec mes clients, avec mes employés, je déclare que je reçois la faveur. Mon argent entre. Mon argent ne sera jamais détourné. Mon chiffre d'affaires aujourd'hui est de 50 millions de francs CFA. Allez, répétez, répétez, répétez. Ce nouveau business que je suis en train de créer, j'appelle les personnes qui vont participer à ce business. J'appelle les clients qui vont me trouver au nom de Jésus. Je reçois les idées qui vont me permettre de prospérer. Allez, répétez, répétez. Tout ce que je touche se transforme en or. Je suis puissante. Quand je dis ça comme ça, je sens la puissance dans mon corps. Je suis puissante.
Yes. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Personne ne peut m'atteindre. Je suis puissante. Je suis forte. Yes, je suis la reine Jocelyne. Vous sentez comment la puissance vient en vous, non? I'm beautiful, I'm strong, I'm powerful, I'm beautiful, I'm rich, I'm strong, I'm powerful. Aucune flèche de l'ennemi ne peut m'atteindre. Tout ce que je touche se transforme en or. Toute terre que je touche de mes pieds, je la prends en possession. Tous mes business, toutes mes succursales fonctionnent aujourd'hui. Chiffre d'affaires aujourd'hui, on fait le plus grand chiffre d'affaires qu'on ait fait dans les derniers 12 mois. J'appelle les clients. Toute promesse d'achat que j'avais se concrétise aujourd'hui. Toute promesse d'achat. Je reçois l'argent aujourd'hui pour faire ça, ça, ça. Prononcez le chiffre, pour prononcer l'argent dont vous avez besoin aujourd'hui. Si vous venez de prendre un local, allez là-bas vous parler à ce local. Écoutez-moi bien, maison. Quel que soit l'homme fort ou la femme forte qui dominait dans toi avant, je te déclare que tu as un nouveau maître, une nouvelle maîtresse. J'appelle les meubles pour te meubler. J'appelle la marchandise pour te mettre, pour mettre dans toi. J'appelle les clients aussi qui vont acheter. Je déclare que toute personne qui traverse ici, quand la personne passe ici comme ça, là, il se tourne, il a la faveur vis-à-vis de toi, local, maison. Denis Madeleine, ne dis pas que personne ne peut te prendre ce qui est à toi. Ça, non. C'est un peu comme si tu avais peur qu'on ne vole ce qui est à toi. Non. J'attire. L'argent vient à moi en abondance. Quand tu fais les déclarations, ne fais pas les déclarations négatives. Genre, personne ne peut. Je suis puissante. Ça, c'est positif. L'argent vient à moi. Tout ce que je touche se transforme en or. Ma maison est meublée. Si c'est une nouvelle maison que tu veux, je reçois ma nouvelle maison. Je suis intouchable. Je m'élève dans le ciel. Je reçois des pensées qui me donnent des millions d'euros. J'attire mes collaborateurs. Je deal avec les plus grands hommes d'affaires, les plus grandes femmes d'affaires. Il y en a parmi vous, vous allez commencer à vous allez rencontrer. Ces personnes, en fait, vous en rencontrez depuis longtemps. Et elles, vous avez oublié. Je vois, il y a des personnes qu'on est en train de remettre votre nom dans leur esprit. On remet votre nom dans leur esprit. Ils vont vous contacter. Je ne sais pas si Olivier s'est trompé de porte. Quand on entre, tu entres quelque part, tu vois les gens sortir de faire une réunion. Tu t'excuses, tu sors. Tu comprends, Olivier? Voilà. Tout ce que je fais prospère. Tout ce que je touche se transforme en or. Voyez votre argent. Voyez comment les clients viennent. Il y a même, voilà, le Seigneur m'a montré ce qu'il y a autre chose. Il y en a parmi vous. L'ennemi a fait si bien que tu n'arrives pas à demander le prix que tu vaux au client. Donc répétez après moi, ma valeur augmente aujourd'hui. Ma valeur augmente. Mes clients me payent plus même que je ne vaux et que je ne demande. Je reçois plus que ce que j'ai demandé. Le Seigneur fera au-dessus de ce que j'ai demandé. Il y en a parmi vous. Peut-être tu sais que telle chose tu as acheté à 5 000. Peut-être tu dois revendre à 25 000. Tu vas aller vendre à 7 000. Alors que la chose vaut 30 000. Ma valeur augmente. Je suis une reine. Je vaux de l'or. Vous enlevez vos chaussures, vous marchez dans votre maison, que je prends ce territoire en possession. Je prends ma main, cette maison en possession. Que ma bénédiction, exactement, que ma bénédiction ne soit jamais limitée à ma valeur. Je suis puissante, j'attire l'argent. Tout ce que je touche se transforme en or. Et ne parlez pas seulement dans le direct. Et après, quand vous vous levez, tu regardes ton porte-monnaie, tu dis, hey, on n'a pas l'argent.
que hey, on n'a même pas vendu aujourd'hui. Yeah. Ne faites pas ça. Tu arrives, on te dit, madame, on n'a rien vendu hier. Ne vous inquiétez pas, les clients arrivent, l'agent vient. Allez, mettez la musique. Everything I put my hand must work. My name go open doors. Amen. Hey, hey, hey. Vous savez qu'on finit tout par la danse, non? On finit tout par la danse dans le direct. Pendant que tu danses, tu es en train de terrasser les démons qui s'étaient accrochés sur ta tête la nuit là. Ils ont été tombés. Oui. Everything I put my hand go work. Hey, and then go open doors. Amen. 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 My life no go end in shame. Yes. Vous aimez la danse. Voilà la reine Yembe, tu as commencé à danser. Vous aimez ça. Les touristes comme ça. Les touristes. La Bible dit que the joy of the Lord is my strength. La joie du Seigneur est ma force. Vous devez savoir arranger vos déclarations. Tu prends possession de mon client comment? Non. La reine Rolande, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on s'aime trop. Je crois que... Tu as senti ça depuis longtemps. Je prends ce territoire en possession. Aujourd'hui, tout ce que je vais faire va marcher. Je reçois les idées maniaques à bobé qui vont me permettre de résoudre les énigmes que j'ai depuis 6 mois. Oui, j'attire les grandes collaborations. Ouais, ouais, ouais. My life no go end in shame. Ma vie ne va pas finir dans la honte. Because I believe I say amen. 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 Vous devez danser. La vie est trop belle. Yes. Donc j'espère que vous avez suivi le processus que j'ai donné. Parce que quand tu commences un truc, après tu mets l'autre, après tu mets l'autre, après tu mets l'autre, après tu mets l'autre. Tu te rappelles que tu es protégé. Tu fais ton lavage au sel. Même si tu te laves au sel, une heure plus tard, tu sens encore la tension. Pas encore te laver au sel. Et tu verses le sel dans ta maison. Tu verses le sel. Après tu sens encore la tension. Tu verses encore le sel. Il y a une poudre là, la poudre maison hantée. Tu verses ça. Il y a certains qui sont un peu récalcitrants. Fais ça, ça donc. Verse que le sel dans tout. Donc, ouais, Seigneur. Tu fais ça, Jouka. Jouka, Jouka. On va voir que tu vas. Ça rentre comme un processus. Parce que plus haut vous allez aller, plus d'adversité. Il y aura un niveau où. Tu auras les mauvaises nouvelles, donc on va vite t'annoncer en 30 minutes. 4 mauvaises nouvelles. Maintenant, quand on annonce des mauvaises nouvelles, c'est pour atteindre ton mental. Que tu connaisses le processus. Tu restes comme ça là. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu fais un tour à la maison. Bain de sel. Avec le parfum là, tu mets ça sur toi, tu mets. Tu finis. Et en faisant ça, tu es en train d'écouter peut-être la vidéo ou du même chanson pour danser. Maintenant, vous devez aussi écouter beaucoup votre esprit. Parce que je vous donne toutes ces idées en vrac. Maintenant, votre esprit maintenant va vous enseigner. Je crois que ça sera le dernier point que je vais donner dans cette vidéo. Votre esprit maintenant, parce que ne doutez pas, vous êtes des rois et des reines très puissants. Maintenant, ton esprit connaît ce qui doit te guérir. Comme le chien connaît quelle herbe il doit manger. Quand le chat est malade, il part, il fait comme ça. Tu vois, le chien mange l'herbe, il n'est pas fou.
Parce que son intuition, son instinct, il est en train de lui dire que pas manger ça. Il ne connaît même pas. Il y a pas la catégorie des gens qui sont faits pour avoir l'argent. La reine Hollande, toi aussi. Peut-être que tu peux faire ça que ton intuition te dit que pas préparer les gambas, tu manges. Je vous assure, c'est bête, mais je vous dis. Va préparer les gambas, tu manges bien même. Ma chérie, va chercher les gambas, tu manges. Je vous assure, votre instinct va vous montrer la voie. Parfois, tu peux faire tout ce que j'ai dit là, tu te sens toujours mal. Tu restes comme ça là, tu as envie de manger le chocolat. Toblerone, ça c'est mon dada du moment. Le chocolat Toblerone. L'esprit te dit que cherche le chocolat Milky Way. Je vous assure. Ma chérie, va prendre le chocolat là, tu mets dans ta bouche. Tu vas voir. Tu vas voir, tu vas mettre dans ta bouche ça là. Tout ton corps va faire. Tu dis que la vie, c'est même quoi. Après, tu m'as. J'ai acheté un Toblo. J'ai acheté le Milky Way l'autre jour avec. On a fait ça avec le. Avec le Oreo. Aïe, c'était bon. Jesus. Tu vois, il prend un biscuit Oreo. Un long biscuit Oreo. Il met le chocolat de part et d'autre avec la crème blanche. Jesus, quand j'ai mangé ça. Quand il mangeait ça, j'ai dit Alléluia. Ça m'a connecté directement aux anges. C'est vrai que je vous enseigne, c'est bête, ça paraît bête pour l'instant. Mais attends, elle parle de chocolat. Parfois, c'est peut-être les arachides. L'esprit va te dire, va chercher les arachides, tu manges. On va pas prendre la carotte, tu croques. Parce que certains d'entre vous, vous avez des aliments spirituels qui sont les vôtres. Tu dois connaître peut-être que les carottes. Tu penses à tu manges, tu ne sais pas pourquoi, mais ton. Dès que tu manges ça, ça calme, ça te calme. Vous devez connaître. Connaissez-vous. Étudiez-vous. Remarque que quand il reste mal telle chose, comment est-ce que. Pourquoi j'aime trop? Et c'est toujours un truc que tu aimes beaucoup. Que pourquoi j'aime trop le truc, c'est comme ça là, non? Parfois, c'est la glace. Maman, il y a Paul ici là. Paul a une glace là. J'ai mangé ça un jour. Maman, la glace de Paul, mon frère. La glace à la mangue, alors c'est grave. Parfois, quand tu es de mauvaise humeur, tu pars, tu prends ça, tu mets dans la bouche. Tu sens comment le ciel s'ouvre, tu reçois une idée. Tu pars, l'idée là te donne 4 millions. Ah. La reine Roland, on avait rendez-vous demain. Maintenant, tu dis que ton instinct te dit de manger les gambas avec moi. Toi, tu es grave. Non, ton instinct là t'a bien parlé, vraiment. J'ai mis mon cachet sur ça. Je suis sûr que ton instinct là a bien parlé, vraiment. Instinct, merci. Il faut toujours parler à la reine Rolande comme ça. Vous savez que les gens n'aiment pas le bonheur des autres, donc. Les gens n'aiment pas quand vous êtes heureux. Ils n'aiment pas. Que pourquoi elle est contente? Pourquoi elle rit? Mais ne vous inquiétez pas, on va toujours rire. Vous avez suivi donc. Voilà, je vais mettre les bénédictions finales. Je vous bénis. Je déclare que vous n'allez pas échouer. Je déclare que votre esprit va toujours vous parler. Je déclare que vos guides spirituels vous parlent et vous écoutez leur voix. Je déclare aucune arme forgée contre vous ne peut avoir de l'effet. Je déclare que vous êtes forte. Vous êtes fort. Je viens comme ça vous fortifier. Mettez la main sur la poitrine. Je viens vous faire un massage cardiaque. J'utilise votre main comme point de contact. Je viens relancer votre cœur. Je déclare que toutes les idées négatives qui étaient en vous disparaissent au nom de Jésus. Mettez le doigt ci et le doigt ci. Comme ça. Sur votre tête. Voilà. Je viens chasser toute pensée négative dont vous avez été victime. J'enlève tout découragement que l'ennemi a mis sur vous. Je viens renforcer votre couronne, votre casque du salut. Je déclare qu'aucune mauvaise pensée ne va avoir accès à votre esprit au nom de Jésus. J'appelle vos finances. Je déclare que vous voyez votre argent venir à vous au nom de Jésus-Christ.
La reine Marie-Blanche. Tu sais que tu es ma jumelle, non? La reine Hollande, elle est comme ma mère. Comme elle a dit que je suis comme sa fille, là. Elle, là, hein, ça passe grave. Un jour, elle reste et dit que oh, je veux manger le coquille. Elle me crie dans la journée que tu es où? Je viens te trouver. Elle vient avec le coquille me donner. Ça passe là, c'est grave. Je dépose en vous les idées. Les idées qu'avant vous n'osiez même pas recevoir pour croire. Je viens remettre ces idées dans votre tête. Je déclare que ces projets, ces business de conteneurs, vous reprenez cela au nom de Jésus. Je viens vous fortifier. Je déclare que vous relancez le business des mèches, le business des vêtements. Vos clients qui vous avaient oublié. Même aussi, il y en a qui veulent vendre les produits, le Njansan là. Tu voulais vendre les produits du Njansan. Je déclare que tu reçois. Tu relances ce business au nom de Jésus. L'été amincissant que vous voulez faire là, je déclare que vous trouvez le fournisseur au nom de Jésus. Je déclare aussi que ton projet de restauration, tu le lances. J'enlève tout blocage sur toi. Je chasse la peur de ton esprit. Je chasse la peur de ton esprit. Je chasse la peur de ton esprit maintenant au nom de Jésus Christ. Je restaure tes pensées. Le doigt ci, on le met là. Je viens ouvrir votre troisième œil, qui est votre imagination, votre créativité. Je déclare qu'aujourd'hui, toute idée qui a été volée par l'ennemi, toute idée qui a été volée dans votre étoile est désormais restaurée. Je restaure ces idées maintenant. Et ces idées viennent avec le processus pour pouvoir accumuler l'argent, pour faire ces, pour mettre ce projet en place au nom de Jésus. Je chasse la paresse de votre esprit. Je chasse la paresse et la lourdeur de votre corps. Toute maison dans laquelle vous êtes, qui est obscure, hantée par les mauvais esprits, qui vous opprime, je déclare aujourd'hui que tout mauvais esprit est chassé de cette maison au nom de Jésus. Amen. J'active votre puissance. J'active votre ADN. Parmi vous, il y en a qui ont le don de guérison par les mains. Il y en a, vous devez être conseillé. Vous devez faire du coaching, vous devez conseiller les gens. Vous devez faire dans le conseil. Vous devez faire dans le conseil. Je déclare que vos dons sont activés. Le don de parole est activé. Certains, l'esprit me dit de vous dire de partir à l'eau. Vous devez repartir à l'eau, faire une offrande. Je déclare que vous repartez faire cette offrande. Et quand vous la faites, vous devez vous être connecté. Vous êtes connecté au nom de Jésus. Je vois une mère qui prie pour son fils, pour qu'il soit libéré de l'alcool. Je viens libérer ton enfant maintenant. Prononce son nom. Je le libère. Prononce son nom trois fois. Je libère ton fils des influences maléfiques au nom de Jésus. Je libère ton fils de l'alcool au nom de Jésus. Je restaure ses idées. Je restaure sa puissance. Amen. Chasse la dépression de vos esprits. Je déclare que tous les business que vous avez nommés ici, quand j'ai parlé, si vous avez pensé à un business, je déclare que vous les rétablissez à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Si vous cherchez peut-être un comptable ou bien vous cherchez une secrétaire ou bien une vendeuse, je déclare que vous trouvez cette personne aujourd'hui et que cette personne vient avec un bon cœur. Toute personne que le Seigneur a mis pour vous aider, j'appelle cette personne à vous au nom de Jésus. Certaines personnes voulaient changer de clientèle parce que vos clients n'achètent pas vos produits. Ils viennent seulement pour vous ruiner. Le Seigneur me dit, vous devez faire une offrande, pour vous appelez ça offrande de passation ou de changement de clientèle. C'est fou, mais il me dit de vous dire que vous devez nommer cette offrande, offrande de changement de clientèle. Donc vous devez dire, je reçois maintenant mes clients qui vont payer le service pour ce que ça vaut exactement au nom de Jésus. Les clients qui ne vont pas discuter mes prix, les clients qui vont m'honorer. Voilà. Je déclare que ce changement se fait au nom puissant de Jésus. J'enlève toute présence maléfique sur vos affaires. Je viens déraciner tout ivraie, les ivraies qui ont été plantées dans vos business. Toute personne qui est venue dans votre magasin pour lancer quelque chose pour que vous ne vendez plus. Voilà, vous devez prendre, acheter le kit, appelez ça, on appelle ça le kit maison hantée. Il y a une poudre dedans et puis il y a le jujube, il y a un sel que j'ai béni. Donc vous devez prendre ça, vous mélangez ensemble, vous mettez dans l'eau pour laver le sol avec. Et vous mettez aussi le bâton de commandement, achetez le bâton de commandement pour mettre dans votre caisse. Je chasse toute mauvaise onde de votre environnement, de votre business. Vous devez aussi mettre le jujube dans la caisse, voilà, avec le nom. Vous prenez aussi de l'huile d'olive, vous versez ça. La porte, vous prenez l'huile d'olive. Ceux qui viennent à Douala, il y a l'huile d'olive bénie là-bas qu'on vend. Vous devez prendre ça avec votre majeur, vous faites trois fois la croix sur le haut de la porte de votre business. Et vous versez trois gouttes au sol, à l'entrée. Voilà.
Je déclare que toute attaque sur votre business est anéantie. Peut-être tu as eu l'idée de peut-être commencer à faire la nourriture chez toi et vendre, mais tu as été très attaqué. Je viens te redonner la force pour que tu relances. Tu vas relancer le business que tu avais laissé là. Tu vas relancer ça. Commence aujourd'hui. Le Seigneur me dit de te dire de te relancer. Que c'est dans ça que tu vas prospérer. C'est pour ça que tu as eu autant d'attaques. Il y en a parmi vous, on a mis un ralentissement sur vous. Donc, on vous a mis un esprit de ralentissement, c'est-à-dire, tu restes comme ça, là, tu es lourde, tu as peur, donc tu as déjà tout pour lancer. Mais tu es en train de dire, non, j'attends d'abord que... Voilà, c'est ce que le Seigneur me dit. Donc, j'enlève toute procrastination de votre esprit aujourd'hui, au nom de Jésus. Tout esprit qui vous fait procrastiner, je vous libère maintenant au nom puissant de Jésus. Vous allez prendre de l'eau, je vais vous bénir avec de l'eau. Prenez de l'eau, on va faire ça ensemble. Prenez de l'eau. Je viens bénir cette eau. Je déclare maintenant. Si je suis sur haut-parleur, je vais parler. Votre haut va comprendre. Je bénis cette eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la Vierge Marie. Avec l'assistance des ancêtres. Maman Mathieu, Gisèle, Marie. Aguémier, Aurélie. J'appelle aussi vos ancêtres. Je déclare que ceux de vos ancêtres que vous aviez oubliés, ils reviennent à votre esprit maintenant et vous assistent. Je viens enlever tout ralentissement sur vos business, sur vos activités. Je déclare que toutes les armes qui avaient été forgées contre vous sont désormais sans effet. Vous allez prendre l'eau là, vous allez vous balader dans toute votre maison, toute votre concession. Vous allez verser. Comme je bois cette eau, buvez là. J'enlève tout blocage sur ma vie. Tout démon ou tout ivraie qui a été planté dans mon corps, tout esprit de ralentissement qui a été planté dans mon corps, je m'en libère, je m'en débarrasse au nom de Jésus. Voilà. Tout homme fort qui domine dans cette maison. Vous versez dans votre maison. Hein? Non, non, pour tout homme fort qui domine dans cette maison. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es chassé, tu es éliminé. Tout esprit de stérilité qu'on a mis ici, tout esprit de ralentissement, je vous commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Je libère cette maison de toute possession maléfique. Tout esprit de découragement, de faiblesse qui a été planté ici par l'ennemi. Je t'expose maintenant et je te commande de sortir au nom de Jésus. Je prends autorité. Tout oiseau de nuit qui s'est arrêté ici, qui est venu pour dominer ma maison, je te commande maintenant de sortir au nom de Jésus. Donc vous faites ça maintenant, vous versez dans toute la maison. Je parle maintenant à cette maison. Je te commande de porter des fruits au nom de Jésus. Tout mauvais sort qui t'a été jeté, que ce soit il y a de cela 50 ans ou 100 ans, je remonte sur des années, sur 200 ans, tout mauvais sort qui a été jeté dans cette maison, je viens maintenant vous commander d'être annulé au nom de Jésus. Même si vous vivez à l'étage, vous le faites. Voilà. Je me libère maintenant, je libère cette maison. Je commande l'accélération, la faveur, la prospérité, la paix. L'augmentation, accélération, faveur, protection, paix, augmentation, au nom de Jésus-Christ. Tout projet dans lequel je m'investis, je déclare qu'il va prospérer parce que l'onction du Seigneur est sur moi. Voilà. Et puis vous lancez votre journée. Maintenant vous parlez, répétez après moi, j'appelle des quatre coins de la terre. Je commande des quatre coins de la terre, tout argent que le Seigneur a mis, sur lequel il y a mon nom.
toute personne qui avait voulu me donner, qui m'a oublié. Je vous appelle maintenant, vous vous rappelez de moi. Tout client qui est le mien, peu importe où vous vous trouvez sur cette terre, vous tombez sur mes vidéos, vous tombez sur mes écrits, on vous donne mon contact, je ne sais pas comment, mais vous êtes connecté à moi. Et je déclare que vous venez à moi. Vous venez avec l'argent pour me payer. Vous venez avec l'argent pour me donner. Vous venez avec vos offrandes au nom de Jésus-Christ. Je mets l'excellence, je mets la perfection dans tout ce que je fais. Je restaure mon activité et j'en crée d'autres au nom de Jésus. Je chasse toute peur de mon esprit. Je déclare que je n'ai plus peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce que vous faites, vous le faites avec la foi. Très important. Si tu parles comme ça, après tu peux encore parler pour gâter ton truc, ce que vraiment tu es en train de te gâtes toi-même. Oh, on va même faire comment? Oh, ça ne va pas marcher. Oh, tu es encore en train de gâter toi-même. Tout ce que tu es en train de planter maintenant, tu scelles cela. Je scelle ceci par le sang de Jésus. Toutes paroles que j'ai dites ici, je déclare qu'elles ne seront pas enlevées, elles ne seront pas annulées. Au nom de Jésus, je restaure cette maison. Je restaure mes business, je restaure mes activités, je restaure ma destinée. Je reprends la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous devez apprendre à parler. Apprenez à parler. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour Dari. Tu t'appelles Merveille. Hein, Merveille. Et tu écris Dari. Passez une excellente journée. Allez, pointez, allez, on va pointer. On va pointer, allez, allez, on va pointer. Pointez beaucoup. Vous pointez beaucoup. Et ça donne beaucoup, ça donne beaucoup d'argent. Everything you put your hand go work. Your name go open doors. Amen. Amen. Bonne journée.